por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Tu n'y arriveras pas, Anna Julia. Si tu veux que ça se passe mal, alors ça ira vraiment mal. Dès maintenant, je mets en pratique le plan que j'ai déjà élaboré. J'espère en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire qui me tape franchement sur les nerfs. Allô ? Sébastien ? Comment va mon fils ? Comment va André ? Il est ici, bien. Il sème la terreur dans tout le bureau. Je crois que la seule chose qui n'a pas encore cassé, c'est mon ordinateur, mais ça ne va pas tarder. Toi, comment vas-tu ? Non. J'aimerais parfois me coucher pour dormir et ne jamais plus me réveiller. Je ne supporte plus tout ça, Sébastien. C'est le pire châtiment auquel pouvait me condamner l'ennemi de mon père. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Je sais pas si je peux supporter. Chéri. Allô, Chéri, écoute. Ne dis pas une chose pareille, mon amour. S'il te plaît. Allô, Chéri, tu es là ? Chéri. Allô ? Ma grande, si tu continues comme ça, tu vas tomber malade de tristesse. Tomber malade, Margarita? Je ne veux qu'une chose, c'est mourir, pour ne plus sentir cette douleur. Je ne veux qu'une chose, mourir. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire, André? Qu'est-ce que je fais à ta maman? Pardon. Entre, Mille. Bonjour, Sébastien. Ton père vient de téléphoner, il est sur la route. Il vous attend tous ce soir à 8h précises pour un dîner. Merci. Oh, il est si joli. Bisous. Pardon. Ce sera ta soirée, Caio Gabaldon. La soirée de ta déroute. Même si pour moi, tu es déjà mort. C'est au tour de mes frères de découvrir qui tu es. Écoutez, y a quelqu'un ici qui sait ce qu'a encore inventé le paternel, hein ? Martina,
Non, Martina... je ne sais rien, Juancho. Écoute, il m'a seulement dit qu'il arrivait ce soir en compagnie de Madame Claudia et qu'il voulait votre présence à tous pour le dîner. Si c'est ce qu'il veut... Il ne faut pas demander à Checo, parce que même s'il sait, il se tait. Pas vrai, Checo? Ça, c'est vrai, Reynaldo. Mais là, je ne sais rien de rien. Mm-hmm. Bon, peut-être qu'il ramène des nouvelles de la filiale de Rome. Bon, mais pour ce genre de nouvelles, ça ne vaut pas la peine de dresser une table avec autant de convives. Tu ne crois pas, Di? Que se passe-t-il? Non, prévenez-moi si c'est pour nous faire un bilan des profits et pertes. C'est d'un ennuyant. Écoute, Sébastien, où est-il? Bon, je pense qu'il doit s'habiller, même si dernièrement, il ne me parle plus. Bon. Et ta femme? Ah, elle met ma fille au lit. Mais elle descend tout de suite. Elle arrive. Oui. Ok, très bien, ma princesse. Cette nuit, on va dormir un petit peu ici, dans la chambre de petit garçon de papa. Pendant que maman descend un moment pour dîner. Voilà, on va voir quelle heure il est. Voyons voir. Oh, il est déjà 20h. Parfait. Alors... Ah... Anna Julia, que tu es ponctuelle. Bon, le jeu commence, ma très chère amie. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais justement, c'est mon bonheur qui est en jeu. Et personne ne réussira à me le voler, surtout pas toi. Non, mais il y en avait 600 dans chacune d'entre elles. On est bien, là. Hein? Si, si, je t'assure. Non, c'était vraiment... Bonsoir, très chère famille. Bonsoir. Bonsoir. Quelle beauté. Bienvenue. Comment vas-tu, Claudia? Comment vas-tu, Juancho? Bien, je te remercie. Claudia. Reynaldo, comment vas-tu? Bienvenue. Corinna. Salut. Mince alors, papa. Ce voyage vous a fait le plus grand bien, pas vrai? Ah, ça en a tout l'air, beau papa. Vous êtes superbe, resplendissant, le plus beau. C'est vrai, beau père. Vous êtes si beau, ça surprend. Bienvenue, Claudia. Merci, Corinna. Merci. Bon, tu ne peux pas te plaindre, hein. Compliment sur compliment. Hein. Papa, dis-moi, Claudia, papa. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait, Claudia? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, Juancho. Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? C'est véritablement un autre homme. Dis-nous. Ah. C'est dis-nous. Son sourire, c'est ça. Rien, mon fils. La vie est comme ça, parfois. Elle te récompense et elle t'enlève quelques années sans que tu t'en rendes compte. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Excusez-moi, mais j'étais en train de... Salut, mon cœur. De mettre la petite au lit. Mince alors, beau papa, quelle beauté. Bienvenue. Comment vas-tu, Claudia? Salut, Valéria, comment vraiment vas-tu? Ravie de te compter parmi nous. Vraiment, je me sens comme en famille. C'est génial. Andrea était sage, n'est-ce pas? Elle dort? Oui, mon amour. J'ai beaucoup de mal à la faire dormir, mais bon, elle s'est finalement rendue. Tant mieux. Et bon, rien. J'espère que rien ne perturbera le sommeil de ma fille. Valéria, je suis là. Valéria? Oh, c'est bizarre qu'elle ne soit pas là à m'attendre. Serait-elle dans la chambre d'Andrea? Valéria! Valéria! Alors papa, tu ne vas pas nous dire pour quelle raison tu organises cette réunion? On n'en peut vraiment plus d'attendre! Papa, le suspense est trop fort! Allez, raconte! Bon, mais qu'est-ce qui vous arrive? D'où vient cette impatience? On va attendre qu'arrive Sébastien, que nous soyons tous ensemble pour ne raconter les choses qu'une fois. Bon, d'accord. Je suis là, monsieur Caillot. Et je suis content de te voir, fiston. Viens ici, approche-toi. Sébastien, bienvenue, mon amour. Salut, fiston. Mince alors. On voit enfin le vrai visage de Caillot Gabaldon, l'honorable monsieur Caillot Gabaldon. Profitez de votre soirée, Caillot. Cette soirée sera certainement l'une de celles que vous n'oublierez jamais. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien, mon fils? D'où est-ce que te vient cet air si solennel? Allez, viens voir. Viens, embrasse ton père.
C'est mon cadet, mince. Allez, assieds-toi là, à côté de ton épouse. C'est mon cadet adoré. Maintenant, vas-y, Bachico. Ouvre le champagne. Je peux. Nous sommes au complet. Permettez. Encore ? Le plus beau et le plus gratifiant dans la vie... Merci. C'est définitivement la famille. Ce sont Claudia, mes repères. Mes fils, ceux pour qui je me suis sacrifié toute ma vie, jusqu'au bout, pour qu'ils se sentent fiers de moi, tel que je suis pour eux. Bon, et ce préambule, papa, hein ? Que se passe-t-il ? Parle ! Tu as peur, hein ? N'aie pas peur ! Moi, j'ai la chair de poule. Arrête, Juancho, stop, stop. Tiens-toi tranquille. On a de la visite, frangin. Et alors, que se passe-t-il? Tu sais bien que papa adore parler de la famille. Ce n'est pas vrai? C'est bien vrai. Bien sûr, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement si vous êtes ma plus grande réussite? Tu es sûr? Parce que je crois que dans ta vie, il y a des choses qui te donnent plus de satisfaction. Et que nous ignorons. Ce n'est pas vrai? Monsieur Caillot. Ah, stop, Sébastien, arrête la provocation. Ne fais pas attention, beau papa. Dernièrement, il est bizarre. Bon, voilà, Caillot. C'est que, bon, tout le monde est super intrigué. On veut savoir quelle va être votre annonce. D'accord, du calme. Soyons patients. Tout arrivera à temps, Corinna. J'aimerais d'abord que nous... trinquions. En premier lieu, pour cette réunion de famille, pas vrai? Et pour mes enfants, mes belles-filles, et également pour la femme magnifique qui me fait l'honneur de m'accompagner. À vous. À vous. À la santé, Caillot. À la vôtre. Santé. Santé, Claudia. Santé. Bien, 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 bien. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Comment vont mes petits-enfants? Où sont-ils? Qu'ont-ils fait? Comment va la princesse Gabaldon? Hein, Valéria? Bon, Andrea Carolina est plus belle et plus audacieuse que jamais. Depuis qu'elle passe son temps en compagnie de son cousin. Et vous voyez ce que je veux dire? Là, elle est au lit, complètement épuisée. Et nous aussi. Oui, elle est magnifique. Salut! Maman veut savoir comment sa superbe petite fille va? Attention, Anna Julia, attention! Ne m'oblige pas à t'enlever cet enfant, d'accord? C'est impossible. Valéria, tu l'as fait! Tu as enlevé ma fille, Valéria! Franchement, j'aurais cru que ce voyage aurait été plus court, mais je dois avouer que je n'ai pas pu résister à la tentation de découvrir une succession d'endroits merveilleux en compagnie d'une femme superbe. Et elle tu as je très, dis très bien fait, papa. Et si je peux me permettre, j'aurais fait la même chose. Ah, merci, Juancho. Mais oui, c'est comme ça, Claudia. Claudia a transformé ce voyage en l'un des moments les plus agréables, les plus inoubliables de toute ma vie. Ah, Caillot, s'il te plaît, n'exagère pas, d'accord? Tu sais bien que je n'exagère pas. C'est comme ça. Je vais vous dire quelque chose que je disais à Claudia il y a quelques jours. Ah, ça non. Ça fait vraiment très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi à l'aise et aussi proche d'une femme. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai voulu vous réunir tous ici ce soir, parce que je désire prolonger l'excellente compagnie de Claudia et il n'y a pas de meilleure manière qu'en me mariant avec elle. Et je, s'il te plaît, je Ah, quel moment, Caillot. Je peux vous dire
Je veux... Ah non. Je veux officiellement vous annoncer à tous que Claudia et moi, nous allons en fait bientôt nous marier. Je crois que ça va pas être possible. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette blague, Sébastien? Caillou, il me manque de respect. Tu remets en cause mon mariage avec Claudia? Non, non, arrête, papa, du calme. Je pense pas que Sébastien ait dit ça dans cette intention. Mais pourquoi dit-il que c'est impossible? Pardon, je vais voir la petite. Sébastien, écoute-moi, je te comprends. Je sais que tout ça peut te sembler... Claudia, tu n'as pas à donner des explications à Sébastien. Depuis quand un fils juge son père? S'il te plaît. Encore moins mon fils, surtout lui. Je lui ai donné tout ce que j'avais, et même ce que je n'avais pas. Je dis seulement ce que tout le monde autour de cette table pense, mais n'ose pas dire. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez. Vous ne vous connaissez pas assez. Tu ne connais pas bien Claudia. Et évidemment, Claudia ne sait pas vraiment qui tu es. Tu es celui qui ne sait pas. Moi, je sais qui est ce criminel. Et c'est pour ça que je fais cela. Sébastien... Je ne veux même pas en parler, Sébastien. C'est arrivé. Tout simplement... arrivé. Comme ces choses-là arrivent, Je suis tombé amoureux de cette femme. Et heureusement, j'ose dire, c'est réciproque. Je ne vois pas quel est le problème, je me trompe. Ah, Charlie. Regarde-toi, tu es toute triste. Je n'arrive pas à ne plus penser à mon fils. C'est comme si j'avais l'âme en 1000 morceaux. C'est trop dur. Tiens, bois cette tisane. Tu n'as rien mangé du tout. Non, j'en veux pas. Mais bon, Charlie, alors quoi? Tu dois bien prendre quelque chose. Je ne veux rien, Margarita. Tu sais... le nœud que j'ai dans la gorge est si grand qu'il n'y a rien qui peut passer. Ah oui, mais Charlie, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Moi, je suis morte à l'intérieur. Tu ne devrais pas rester ici, Margarita. Allez, va-t'en, rentre chez toi. Ah, et te laisser seule, dans cet état? Tu es folle, Charlie, complètement. Voilà ce que je veux. Être seule avec ma tristesse. Pleurer quand je veux. Voilà la seule chose que je veux faire désormais. Et il n'y a pas de raison que tu portes ma tristesse ni que tout ça rejaillisse sur toi, parce que tu en as déjà fait assez pour moi, Margarita. Rentre te reposer, rentre chez toi. Charlie, fillette, je suis là. Charlie. Chut. Charlie est couché, Roquet. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si tôt? Elle se sent mal? Oh, Roquet, je ne sais pas. Je suis très inquiète pour elle. Hier soir, elle n'a pas mangé, elle n'a fait que pleurer pour André. Dieu nous protège. Et bon, ce qui me fait peur, c'est qu'elle tombe malade ou qu'il lui arrive quelque chose. Pauvre petite, elle n'a pas l'habitude d'être loin de son fils. Je la comprends. Quelle maman supporterait ça, dis-moi? Mon Dieu. Allez, Seigneur. Fais un effort, s'il te plaît. N'abandonne pas ma fille. Maman, emmenez-moi voir
les perroquets? Bien sûr, ma chérie. Et prends soin de mon papa et de ma maman, Sainte Vierge. Amen. Que Dieu te protège, ma toute belle. Papa, on va chercher maman au travail? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà là. Coucou, surprise ma poupée. Écoutez maintenant, devine où on va aller. Où ça? Au jardin des enfants, ça te plaît, pas oui. vrai? Oui. Vierge, pourquoi? Maintenant, mes yeux refusent de voir. Pourquoi? Sébastien, j'imagine que tu n'es pas le seul, mais que, pour vous tous, la décision de votre père peut se révéler un peu surprenante. Mais c'est réellement comme dit Caillou, le cœur qui nous impose ses décisions. Ton père est un homme que je respecte et que j'admire depuis très longtemps, et de qui je suis tombée amoureuse. Je peux seulement vous demander, en son nom et au mien, de respecter la décision que nous avons prise tous les deux. Bien. Je pense que c'est suffisamment clair, Claudia. Tout comme moi, nous nous sommes expliqués du mieux possible. Alors voilà. La décision est prise. On se marie. Et si vous m'aimez vraiment, vous devriez être aussi heureux que moi. Papa, Claudia, mieux vaut tard que jamais, et ce n'est jamais trop tard pour la bonne personne. Tu l'as bien dit. Merci, Juancho. Et voilà, après cette annonce officielle, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à trinquer. Alors voilà, je vous propose un toast à notre mariage et à l'avenir. Un avenir rempli d'excellents augures. Santé. Valeria, où est-elle? Elle a enlevé ma fille, elle l'a prise. Anna Julia, comment ça, elle l'a enlevée? Que se passe-t-il? Rinaldo, ma fille. Rinaldo, s'il te plaît, aide-moi. Ma fille n'est pas là, André et Carolina n'est pas là. Mais s'il te plaît, Anna Julia, qu'est-ce que ça signifie? Pardon. J'aurais dû vous le dire. Bon, bah, pas de cette façon, pas maintenant. Mais vous devez savoir que cette fille est la mienne. C'est ma fille. Rinaldo, André et Carolina est notre fille. Rinaldo, croyez-moi, s'il vous plaît, c'est ma fille. Valeria le sait, mais elle ne veut pas le reconnaître. Elle vous a menti depuis le début. La véritable mère d'André et Carolina, c'est moi, pas Valeria. S'il vous plaît, vous devez me croire. Anna Julia, du calme, d'accord? Du calme. Mais encore ce délire, Anna Julia? Mais de quoi parles-tu, bon Dieu? Je vous jure que je vous dis la vérité, monsieur Caillou. Valeria aurait dû vous dire la vérité, mais elle ne veut pas. Je lui ai dit que j'allais aujourd'hui mettre Andrea Carolina au lit, mais elle a disparu. Elle n'est pas dans son lit. C'est elle qui l'a prise pour la séparer de moi. Comment? Mais qu'est-ce que tu dis, Anna Julia? Comment ça, j'ai pris Andrea alors qu'elle est dans sa chambre? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que j'ai été voir dans sa chambre, elle n'y est pas. Tu mens. Tu mens, Valeria. Anna Julia. Non, mais je ne comprends pas pourquoi elle dit ça. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bien la dernière chose qui nous manquait, Claudia. Claudia... Mon amour. Claudia, s'il te plaît, excuse-moi pour cette situation si bancale, d'accord? Non, cher Caillou, excusez-moi tous. Vraiment. Et surtout toi, Claudia, ça n'aurait pas dû se passer le jour de votre engagement. Cela n'aurait non, jamais non, dû arriver, vraiment, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour moi, ne vous en faites pas, ça va. Mais quel est le problème de...
Anna Julia avec cet enfant? Qu'arrive-t-il à Anna Julia? Ah, écoute, franchement, je ne sais pas. Je l'ai bien observée ces derniers jours et... Et je n'aime pas du tout ce que je vois. J'en ai même parlé à Martina, non? Oui, c'est préoccupant, cette tendresse exagérée, cet amour qu'elle a pour la fillette. Oui, d'ailleurs, j'ai dit à Rosita d'être attentive quand elle était avec ma fille, de ne pas les laisser seules. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai bien peur que, d'une certaine manière, son mental ne soit plus très cohérent et... Et bon, je ne sais pas, j'ai peur pour la santé de ma fille, évidemment. Je ne mens pas, Reynaldo. Si je te dis qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais elle n'était pas là, Reynaldo. Je te jure qu'elle n'était pas là. Tu dois me croire. Quand je suis venue, elle n'était pas là. Valeria m'a menacé de la prendre et c'est pour ça que j'ai cru que... Tu ne me crois pas du tout, n'est-ce pas? Anna Julia, moi, ce que je pense, c'est que... Tu es très stressée, ok? Tu devrais te calmer. Calme-toi. Écoute-moi, on va faire une chose. Non. On va faire une chose. Je te ramène chez toi, d'accord? On va laisser la petite dormir. D'accord? Reynaldo. Allez, tu ne me crois pas non plus, Reynaldo. S'il te plaît, je te jure que tu dois me croire, parce que je te dis la vérité. S'il te plaît, crois-moi. Je t'attends en bas. Aide-moi à comprendre, papa. Pourquoi, si je n'ai rien de mal à mes yeux, je n'arrive pas à voir? Comment je pourrais préférer ne pas voir plutôt que de profiter des belles choses de la vie? Comme de pouvoir voir le visage de mon fils, par exemple. Je ne comprends pas. Écoute-moi, Charlie. Mon bébé. Peut-être que la vie n'est pas très belle en ce moment, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un comme toi, un ange, un vrai, ma petite, que tu dois affronter la méchanceté de certaines personnes. Non, papa, mais je veux voir comme quand j'étais petite, que je te voyais toi, je voyais maman, je veux être la mère dont mon petit André a besoin et le récupérer. Je veux le récupérer. Écoute, tu n'as pas besoin de voir pour qu'André soit avec toi. C'est ton fils, Thierry, et véritablement, il doit être avec sa maman, non? C'est pas négociable. Papa, mais le médecin dit que je n'ai rien. Pourquoi dit-il ça? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Que c'est psychologique, je ne comprends pas. Aide-moi à découvrir ce qu'il y a dans ma tête qui m'empêche de voir. Aide-moi, papa, s'il te plaît. Ma puce. Anna Julia a choisi le plus mauvais moment et pour finir, Reynaldo l'a suivi. Le voilà. Ray, qu'est-il arrivé? J'emmène Anna Julia, je crois qu'elle ne se sent pas bien. Mais... Non. Non, Reynaldo, je vais parfaitement bien et je n'irai nulle part. Ma grande, c'est pour ton bien. Non. Non, monsieur Caillot. Excusez-moi. Et vous aussi, excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre, mais il se passe quelque chose de très grave ici et il faut trouver une solution. Mais quoi qu'il en soit, Anna Julia, ce n'est pas le moment. Non, monsieur Caillot, c'est le moment parce que ça ne peut plus attendre. Parce qu'il se trouve que Valeria doit tout vous expliquer et que je ne continuerai pas à repousser cette situation qui est très... Arrête, attends une minute, tu es hors de toi là, vraiment. Ne me touche pas! Ne me touche pas, Valeria! Dis-leur enfin la vérité, Valeria! Dis-leur! Dis-leur que tu leur as fait croire qu'Andrea Carolina était ta fille, dis-leur! Et que toi et moi, on sait que c'est un mensonge! Et toi? Toi aussi, Corinna, tu le sais, toi aussi, pourquoi ne leur dis-tu pas?
moi? Oui. Toi, Corinna, tu sais parfaitement qu'Andrea Carolina est ma fille. Pourquoi ne le dis-tu pas devant tout le monde? Stop. Ça suffit. Arrêtons tout ce cirque. Anna Julia, s'il te plaît. Reynaldo, emmène-la. Emmène-la. Anna Julia, arrête. Reynaldo, lâche-moi. S'il te plaît, je ne vous dis que la vérité. Monsieur Caillot, je ne vous dis que la vérité, s'il vous plaît. Vous devez me croire, c'est la vérité. Corinna! Valeria, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Pourquoi faites-vous ça? Andrea Carolina est ma fille. C'est ma fille. Reynaldo, c'est notre fille. C'est la tienne et la mienne, s'il vous plaît. Calme-toi. Andrea Carolina, c'est la vérité. Je vous le jure. Je te le jure, s'il vous plaît. Pourquoi? Calme-toi, Anna Julia. Pourquoi? Écoute-moi bien, Thierry. Écoute-moi bien, ma toute petite. Écoute. Ne répète plus jamais que tu as un problème. Ma Thierry, tu es un ange, Anne. Et les anges n'ont pas de défauts. Oui, et alors pourquoi je ne peux pas voir? Peut-être, ma Charisse. C'est ce que disait ce médecin, pas vrai? Que le problème ne se trouve pas dans tes yeux, mais dans ta tête, ma petite. Mais rien de ce qui s'est passé n'a été aussi traumatisant et douloureux que quand j'ai été séparée de mon petit André. Écoute, peut-être. Peut-être que le problème ne vient pas de la chute que tu as faite, mais de la peur, ma petite. La peur que tu avais que ce criminel nous attrape de ce qu'il pouvait nous faire. Tu crois, papa? Bien entendu. Mais bien sûr. Écoute, aujourd'hui, tu n'as plus rien à craindre, ma Thierry. Hein? Tu n'as plus rien à craindre. Regarde, j'ai des nouvelles preuves contre lui. Ma petite. Et des gens me donnent un coup de main. N'aie plus peur, parce que, écoute bien, bientôt, très bientôt, tout va se terminer, ma petite, crois-moi. Ce que je veux désormais. Écoute-moi bien, ma Thierry. C'est que tu penses à Andrés. Pense à lui. À tout l'amour que tu as pour lui. À tout cet amour si grand, si beau. N'aie plus peur, ma chérie. N'aie plus peur. Avec l'aide de Dieu, bientôt ce voile que tu as dans la tête disparaîtra, ma puce, et... Et tu reverras la lumière, ma chérie. Avec ses jolis yeux que le Seigneur t'a donnés. Je t'aime, ma fille. Tout se terminera bien. Non. Non. Reynaldo, je ne partirai pas avant que ta femme ne dise la vérité. Valeria, je t'en prie, s'il te plaît, je t'en prie. Non. Toi, je ne te prie plus, je te l'ordonne. Je t'ordonne de dire la vérité. Anna Julia, s'il te plaît. Stop, Anna Julia, calme-toi. Du calme, mais enfin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Valeria, tu m'as demandé du temps, je t'en ai donné. Pourquoi tu me fais ça maintenant? Du calme, regarde-moi, Anna Julia. Regarde-moi. Écoute, Anna Julia, tu es très secouée, pourquoi ne pas te relaxer? Te détendre. Ne me touche pas et ne me dis pas que je suis maintenant. Tais-toi maintenant, ça suffit. Anna Julia, contrôle-toi. Non, arrête, n'aggrave pas les choses, d'accord, Anna? C'est Julia, à elle qu'il faut le dire, Reynaldo. Pourquoi ne se rend-il pas compte que c'est de sa faute? C'est de sa faute, c'est juste en train de péter les plombs. Pour...
pourquoi c'est si difficile à comprendre, s'il vous plaît. Anna Julia, reste calme. Je vais d'aller bien imaginer qu'une chose pareille pouvait arriver. Écoute, Reynaldo, je pense que le mieux, c'est que qu'on lui donne un sédatif et que, bon, non, qu'elle Reynaldo. Se détende, ok. Anna Julia, c'est vrai. Calme-toi. Allez, va t'allonger. Allonge-toi un instant. Sébastien, non, aide-moi. Non, non, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas. Non, laissez-moi lui parler. Laissez-moi avec elle. Elle sait qu'Andrea Carolina est ma fille. S'il vous plaît, laissez-moi. Regardez quel spectacle. Si Bayardo voyait ça. Pauvre Anna Julia, pourquoi? Pourquoi il lui arrive tout ça? Ça va ma fille, calme-toi. Je sais ce que tu ressens. Ça me fait mal de la voir comme ça, si... si perturbée. Caio, c'est mon ami d'enfance. Oui, oui, je le sais, c'est... c'est une tragédie. Vous avez été presque deux sœurs et j'imagine que ça te fait du mal au cœur. Je vais la voir, excusez-moi. Oui. Oh, ma pauvre enfant. Oh, excusez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi en bas. D'accord, s'il te plaît, calme. Non, Reynaldo, s'il te plaît, je ne me calmerai pas. Valéria vous ment depuis le début, s'il te plaît. Elle te ment. D'accord. Reynaldo, pourquoi tu ne te rends pas compte? Non, je ne veux pas me coucher parce que je ne suis ni folle ni malade. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyez? Reynaldo, s'il te plaît, tu veux bien la tenir? Je vais lui faire une piqûre, d'accord? Non. Toi, tu ne m'approches pas, Valéria. Tu ne me toucheras pas. Qu'elle ne m'approche pas, Reynaldo, s'il te plaît, ne la laisse pas me piquer, elle veut me piquer. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Non, c'est pas pour mon bien. Calme-toi, c'est pour ton bien. Attrape-la, je ne veux pas. Attrape-la bien. Ne me touche pas, Valéria. C'est juste pour ton bien. Ne me touche pas. Calme-la. Aide-moi, Sébastien, aide-moi, s'il te plaît. Reste calme, personne ne te fera mal. Tu sais qu'on t'aime tous. Non, elle veut m'enlever ma fille, ce n'est pas mon amie, pas du tout. Tu m'as dit que tu allais emmener la petite et tu l'as prise parce qu'elle n'était pas dans son lit. Prenez-moi ma fille! Ne m'attrapez pas! Attrapez-la, ne m'attrapez pas, elle va me piquer! Je ne te laisserai pas me piquer, non, ne me la laissez pas me piquer, non! Calme-toi, Anna Julia! Ne la laissez pas faire ça, Valéria, non! Non! Chut! Non, laissez-moi! Laisse-toi faire, s'il te plaît! S'il vous plaît, non! Solo sabe el corazón y no encuentro palabras para definirte mi amor, palabras que solo sabe el corazón, solo sé que yo muero por ti. Nada que responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la